Ok, comme je viens d'arriver. Je viens d'arriver. Tu es resté en ligne tout le temps? Je n'ai pas d'entendre. Ils ont fini de déposer la candidature. On va prendre quelques mots de. C'est bon, je n'aime pas trop. Bro, pardon. Au nom de la plateforme politique Ensemble pour la démocratie et la souveraineté EDS, nous venons de déposer le dossier de candidature de notre référent politique, le président Laurent Gbagbo, le père de la démocratie en Côte d'Ivoire, que nous avons sollicité pour être notre candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Bien que son nom ait été radié des listes électorales par des manœuvres que nous jugeons juridico-politiciennes, l'acte que nous avons posé ce jour traduit notre volonté de nous insurger avec force contre l'exclusion par peur de notre candidat des compétitions électorales à venir. Le Conseil constitutionnel aura la lourde responsabilité devant le peuple ivoirien et devant l'histoire de se prononcer sur la validité et la conformité de cette décision de radiation au regard de la constitution de notre pays. L'acte que nous avons posé ce jour traduit aussi notre volonté manifeste de participer à toutes ces élections avec un organe électoral consensuel et crédible, tenant compte de l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples en date du 15 juillet 2020, un code électoral consensuel avec des élections pour des élections libres, justes, transparentes, régulières et inclusives, gage d'une alternance démocratique et pacifique, ainsi que des listes électorales pour lesquelles, convaincus des fraudes massives lors de la dernière révision de juillet 2020, nous réclamons un audit international. Enfin, l'acte que nous avons posé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la réconciliation nationale pour une paix véritable, non pas la paix par les armes, la répression, la terreur et les intimidations, mais la paix des cœurs et des esprits à laquelle, à l'instar du président Laurent Gbagbo, notre référent et candidat, le vaillant peuple ivoirien aspire profondément. Oui, mesdames et messieurs, ces élections doivent se dérouler dans un environnement apaisé qui nécessite la libération de tous les prisonniers politiques, civils et militaires, le retour sur la terre de leurs ancêtres, de tous les exilés politiques, avec à leur tête notre référent et candidat, le président Laurent Gbagbo. Pour terminer, c'est le lieu pour nous, fidèles à la philosophie politique du « asseyons-nous et discutons » de notre référent et candidat, le président Laurent Gbagbo, de lancer un appel au chef de l'État sortant pour un dialogue franc, sincère, responsable et inclusif dans l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire, notre patrimoine commun. Et nous le devons, pour garantir et assurer un avenir lumineux et radieux aux générations présentes et futures de notre pays.
Je vous remercie. Mais avant, oui, je crois qu'il y a une question peut-être de l'esprit. Oui, je pense qu'il y a une question que je sais que j'allais vous poser à cette question. Oui, concernant le parrainage, je dois vous dire très sincèrement que nous avons constaté un véritable engouement concernant le parrainage pour le président de Rwanda. Dans des zones même, nous-mêmes, nous n'espérions pas. Je veux parler de certains grands groupes en zone, donc nous pensions que nous n'avons pas de personnes qui auraient pu parrainer le président de Rwanda. Notamment dans le Folon, jusqu'au sud Comoué, en passant par le Congo, en passant par le Angol, le Bafing, le Borounou et l'Ifo. D'une manière générale, du nord au sud, de l'est à l'ouest, partout, dans toutes les régions et dans tous les districts de Côte d'Ivoire, les personnes ont accepté de parrainer le candidat de l'EDS. Voyez-vous, la CEI prévoit 1% dans les 17 régions. Dans 17 régions du monde de la Côte d'Ivoire, il arrête un décompte autour de 48 000 parrains. Nous sommes très largement au-delà de ce chiffre. C'est dire que, malgré son absence, le président Laurent Gbagbo reste toujours dans le cœur des Ivoiriens. Et je dois vous dire que, si l'on devait compter tous les fiches que nous avons refusées, parce que vous allez te dire, il y a certaines personnes qui marquaient juste Gbagbo Kafissa. Il y a eu de nombreuses fiches qu'on a été obligé d'éliminer. Ou encore le Woody de Mama, on a été obligé d'éliminer. Ou encore Laurent Toukou. Donc vous voyez que c'est tout si on veut compter, rassembler toutes ces personnes-là pour lesquelles nous avons enlevé de liste des lots, on aurait peut-être au moins 2 millions de personnes qui s'étaient prononcées. Mais on est obligé d'enlever une bonne partie pour arriver à des chiffres raisonnables, des chiffres qui sont consolidés et ceux qui ne sont pas liés. En d'autres termes, nous avons le parrainage requis pour le président Laurent Gbagbo. Et je voudrais ici vraiment vous remercier, profiter de l'antenne, vous remercier toutes ces personnes qui ont donné leur caution au président Laurent Gbagbo. Toutes, et elles sont nombreuses. Je voudrais, au nom du président Laurent Gbagbo, les saluer, les remercier. Remercier aussi ceux pour lesquels on n'en a pas, ils sont très nombreux, on n'a pas pu retenir, parce que je vous dis, c'était mal écrit, il fallait qu'on reste dans les normes. Donc vraiment, je voulais, en donnant à tous, les remercier. Et je voudrais vous dire très sincèrement que, oui, je réponds à cette question, nous avons des parrainages requis, c'est très largement, ça a été projeté dans la salle, très largement. Donc, vous avez eu combien de... Oui, c'est-à-dire que si oui, la CEI demandait 48 000, on a obtenu 74 000. Et concernant le cas judiciaire, on nous a donné le cas judiciaire, on ne nous a pas donné. Je dis qu'on ne nous a pas donné le cas judiciaire. Non, je ne sais pas. On verra bien si il n'est pas encore mis, on verra bien. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a le parrainage, il y a la caution, il y a la volonté des militants, des partisans de porter le Laurent Gbagbo comme candidat et porter à la magistrature suprême le 31 octobre. Je vous remercie. Merci infiniment. Merci. Laissez le micro d'abord. Bon, d'accord, il est là. Donc vous nous suivez. Ouais, la candidature du président Laurent Gbagbo a été bel et bien déposée. Voilà, une mobilisation exceptionnelle de tous les militants. Donc allez, merci chers camarades militants. Merci chers camarades militants. Monsieur là, on va. Monsieur François de la Douane. Ne partez pas, hein, les gars. Nous sortons des locaux de la CEI. Voilà, pour aller saluer les militants qui nous attendent dehors. Nombreux. Donc restez à nous. Oui.
Allez-y, allons-y, les gars. Comme vous le constatez, nous sortons des locaux de la CI. Merci à tous. Tous ceux qui nous suivent, partagez. Mais je t'ai vu passer ta voiture. Ça fait 2 jours. Ouais. C'est après 2 jours que tu me vois. Tu mets ça? Non. Ouais. Comment ça va? Ça va bien, par la promis que tu seras là et tu es là. Oui, les gens sont là-bas. On va vers eux maintenant. Ouais. On va vers les militants. Salut, oui. Je t'appelle. Restez avec nous. Voilà le président de l'IDS, le professeur Georges Armand Ounien et sa délégation de Réti. Je pense certainement que nous allons avec les militants qui sont mobilisés depuis 6h du matin. Voilà, donc, vous avez à côté du professeur Georges Armand Ounien, le président du comité de contrôle. Professeur Hubert Oulaï, merci, hein. C'est là-bas, on se... Restez connectés, hein, chers camarades. Restez connectés. On a fini pour les blancs. On avance, on marche. Camarades. Comme vous constatez, Bravo, président! Bravo, président! Bravo!
Dagbon. Tirez, bloquez. Saluer la foule attend les autorités. Oui, ça. Tu regardes là? Tu regardes? Oui, c'est une communion parfaite. On sait dans ce pays qui a peur de qui? On sait dans ce pays qui a peur de qui? Bon, le président. Vous voyez. Les autorités sont là. Ils vont venir saluer. Ils viendront le bain de foule. Le bain de foule pour tout à l'heure. Allez-y saluer dans l'ordre. Hé, attendez. Chacun a son coin. Voilà.
mot rapidement, un mot rapidement. Non, juste dire que nous sommes là pour la demande de la candidature du président Macron. Ça s'est très bien passé, les citoyens sont sortis. C'est ce qu'on attend. Nous aurons quoi à dire. Voilà. D'accord, le dispositif est impressionnant, les citoyens sont sortis. Donc, le rang Macron pèse dans la balance. Et c'est le message qu'on voulait faire passer. Merci, la présidente. Oui, tout est bien défini bien. Hey! Oui, tout est bien défini bien. Le monde, chacun accompagne. Chacun accompagne. Merci à vous, chers abonnés. Merci. C'était le dépôt des dossiers de candidature du président Laurent Gbagbo. C'était le dépôt du dossier. Oui. Donc tout hier, comme vous le constatez, la mobilisation est. Merci, à bientôt, la lutte continue, ok.